Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous présenter le Node UV pour Harmon Paint. C'est une copie du Node Blender Guru. Le Node permet d'éviter l'effet évident de répéter la texture en raison de la distorsion UV. J'ai créé ce Node il y a longtemps. Avant, il ressemblait juste comme ça. Mais puisque la dernière version du programme a la capacité de regrouper des nodes, cela ressemble maintenant à ceci. Voyons ce qu'il peut faire. Paramètres de node. L'échelle est le paramètre de répétition de la texture. Ratio d'aspect. Rapport hauteur-largeur de la texture. Déplacer, décalage de la texture le long des axes de coordonnées. Rotation globale, rotation en coordonnées globales. Rotation de la mosaïque, rotation d'un élément répétitif. Mosaïque de bruit. Degré de distorsion UV. Voici à quoi ressemble une texture avec un node de mappage standard. Et donc avec le miel. Regardons un exemple d'autres textures. C'est le node standard. Et voici le miel. Un autre exemple. C'est le node standard. Et voici le mien. Mais ce node a des limites. Il ne convient pas à tous les types de textures. Regardons un exemple de briques. Comme vous pouvez le voir, ce node n'est pas applicable pour ce type de texture. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et prenez soin de vous.